Bonjour à tous, l'Alpe se tourne et avec lui les caméras de Golf Plus sont cette semaine en Bretagne, au nord de la Bretagne, plus précisément dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Bienvenue sur le Saint-Malo Golf Resort, à 15 km de la mer de Saint-Malo donc. Un des plus jolis parcours de la saison de l'Alps Tour. Parcours magnifique et qui nécessite aussi de posséder à la perfection tous les coups du golf, de la vie même des joueurs. Ce parcours est extrêmement technique, varié et admirablement préparé pour l'occasion. Parcours assez court, à peine plus de 6000 mètres, il met pas mal d'eau en jeu et impose donc des choix de clubs précis. Pour gagner ici, il faudra être inventif. Tous les joueurs, encore une fois, sont d'accord sur une chose. Le vainqueur de ce Saint-Malo Golf Open sera à l'évidence un excellent joueur de golf. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une rencontre avec un homme qui, pendant des années, a été un pilier de la présence française sur le circuit européen, Jean-Baptiste Gonnet. Un homme qui retrouve son golf après quelques années de galère, qui retrouve son golf et le moral qui va avec. Ça va bien. Je n'ai pas joué là pendant une semaine, je me suis reposé, c'était sympa. Et puis ça va bien depuis le début de l'année. Dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup mieux que l'année dernière où j'étais pas loin d'arrêter. Et là, on a fait un gros boulot avec mon coach, Antoine Maisonhaute, et ça va bien, ça va très très bien. Je reprends du plaisir, donc pour moi, ça a été difficile de revenir jouer l'Alps Tour après avoir joué tant d'années sur le Tour. Psychologiquement, c'était dur. Mais bon, après, il faut jouer au golf, il faut reprendre confiance. Donc c'était là où j'arrêtais. Il faut jouer au golf parce que le golf, c'est votre vie. Oui, enfin, je fais plein d'autres choses, plein d'autres trucs que j'aime. Mais aujourd'hui, 35 ans, je pense qu'il me reste encore un peu de temps. J'ai peut-être encore 5 ans où je peux retrouver la carte. Je regarde Mike, là, Lorenzo, qui était dans les mêmes dispositions que moi il n'y a pas si longtemps et qui a remonté sur le tour. Donc c'est un super exemple pour moi. Moi, je continue à me battre, je continue à aimer ça. Donc tant que j'aime ça, je continue. Après, j'essaie de vivre au jour le jour, mais pour l'instant, j'aime toujours ça. Beaucoup travailler, simplifier son swing pour retrouver la compétitivité sur un circuit qui aujourd'hui est beaucoup plus qu'un révélateur, un véritable juge de paix. Ça a quand même énormément progressé depuis quelques années. Et puis pour gagner un tournoi, il faut quand même faire moins 15, moins 20. Donc dans l'absolu, ça reste un super circuit. Et être dans le top 5, je suis relativement satisfait. Pour se rappeler de toutes ces choses, durant les 7 saisons qu'il avait passées sur l'European Tour entre 2007 et 2013, Jean-Baptiste Gonnet avait gagné en tournoi plus d'1,5 million d'euros, insuffisant pour tenir quand les choses se sont un petit peu compliquées. Comment j'ai fait financièrement? C'est ça. J'ai fait grâce à Magnus Konhoff qui m'aide depuis tant d'années. Et sans lui, je ne jouerais plus au golf. Parce que sans un ami mécène qui m'aide depuis maintenant et qui aide aussi pas mal de joueurs sur le circuit depuis tant d'années, mais je ne jouerais plus sans lui parce que financièrement, je ne pourrais pas. Donc c'est grâce à lui que je joue encore, sinon je ne jouerais plus. Avant ce Saint-Malo Golf Open, Jean-Baptiste occupe la dernière place qualificative pour le Challenge Tour. Son objectif est de retrouver au plus vite le grand circuit européen. Il ira également aux cartes européennes en fin d'année. Pour l'heure et pour cette première journée de ce Saint-Malo Golf Open, il est dans le coup avec une carte de moins 3 qui le met à 3 coups de la tête. À 3 coups, en l'occurrence, de Bernard Neumeyer, un joueur autrichien de 26 ans, pro depuis 4 ans, mais nouveau sur l'Alps Tour. C'était un tour solide sur un parcours en parfait état. Je n'ai pas fait d'erreur. Mon jeu était vraiment solide. Et la suite du leaderboard à l'issue de ce premier tour est une véritable vitrine de ce qu'est l'Alps Tour. 5 joueurs de 4 nationalités différentes se partagent la deuxième place à un coup. À moins 5, le jeune Italien Andreas Caracino, tout frais moulu des rangs des amateurs. L'Autrichien Wayne Handel, qui lui, à l'inverse, use ses fonds de culotte sur les bancs de l'Alps Tour depuis des années. Il y a encore un ancien de l'Alps Tour promu sur le Challenge Tour il y a quelques années et qui aujourd'hui revient, l'Espagnol Jesús Legaré. À moins 5 également, un des plus jeunes joueurs du champ, l'amateur français Victor Véret, 19 ans, membre du Pôle France. Et le cinquième est une des valeurs sûres de l'Alps Tour, Léo Lespinasse, 22 ans, victorieux l'an dernier en Guadeloupe. Il occupait avant ce tournoi la 18e place du ranking. Maintenant, ça fait un moment que je joue plutôt bien. Mon grand jeu est de plus en plus solide. Je mets très bien en jeu, vu que je tape assez fort. C'est quand même un bel avantage sur les parcours de l'Alps Tour. Après, les semaines précédentes, j'avais le petit jeu qui était un peu moyen, wedging approximatif, putting
un peu en dents de scie. Donc aujourd'hui c'était pas mal, ça s'est un peu goupillé et c'était sympa. Un point sur cette première journée de ce Saint-Malo Golf Open avec donc l'Autrichien Neumeyer en tête et une pléiade de joueurs à moins 5 à la deuxième place. Un amateur peut en cacher un autre. La première journée avait été celle de Victor Véret, la deuxième va être celle de Thomas Boulanger, encore plus jeune, 17 ans. Thomas est lui aussi pensionnaire du Pôle France. Il dispute ici le deuxième tournoi professionnel de sa vie. Et ce qui lui arrive ce vendredi, manifestement, le dépasse. Il ramène une formidable carte de moins 6 et à moins 9 au total. Thomas attaquera le week-end en troisième position. Le plus facile a été fait pour lui car maintenant il va falloir qu'il parle de lui aux médias. Une grande première. Bah, je suis à l'école déjà. Donc je vais rentrer en terminale là, je passe mon bac en septembre. D'accord. Donc la vie de tous les jours, c'est on va à l'école de 8h à 13h. Et à 13h, bah, le coach il vient nous chercher et on va s'entraîner toute la journée. Et après, une fois sur deux, on a prépa physique. C'est ça notre journée. Est-ce que la vie d'un jeune amateur de talent comme ça, de haut niveau, la vie sportive, elle ne se fait pas un petit peu au détriment des études? Est-ce que vous avez l'impression de faire des études normalement comme les autres et d'être au même niveau que les autres? Non, pas vraiment. J'ai un peu... moi, je ne suis pas très très bon à l'école, donc déjà ça, et j'ai beaucoup de mal. Ouais. En termes de niveau de jeu, cette deuxième journée va atteindre des sommets. Le record du parcours va être battu à 3 reprises. Chronologiquement, le premier à ramener cette carte de moins 8 qui relègue aux oubliettes le précédent record est Baptiste Courtachon. Le français, pour Baptiste, il s'agissait, après une très mauvaise première journée, d'aller accrocher le cut. Opération réussie. Le deuxième a ramené une carte de moins 8, va lui s'installer en tête. L'Espagnol David Borda avait déjà joué moins 3 lors du premier tour, moins 11. Ce sera donc le meilleur total au terme de ces deux premiers tours. Borda est lui un habitué de l'Alps Tour, il le fréquente depuis des années, ce qui lui procure une forme de lucidité et de sagesse. Je crois que nous avons tous très envie de gagner, mais il reste encore 36 trous à jouer et il n'y a donc évidemment rien de fait. Il y a un tas de bons joueurs derrière moi, alors ma stratégie est simple. Je vais continuer à jouer comme je le fais depuis 2 jours et après on verra bien, la route est encore très longue. Fabien Marty avait lui aussi joué moins 3 au premier tour. Lui aussi bat le record du parcours en jouant moins 8 ce vendredi pour rejoindre Borda en tête et se donner le droit de rêver de victoire dimanche. Ça va faire 12 ans que je suis pro, j'en ai gagné un vraiment, et l'année dernière j'avais fini premier pro à Metz. Donc non, ça ne se banalise pas, on n'a pas tous la chance de pouvoir gagner un, deux, tous les ans, donc non, ça ne se banalise pas. Non. Et puis ce deuxième tour va aussi nous offrir l'occasion de donner un coup de projecteur au travers de l'un de ses représentants, Kevin Hébois. Sur une nation, la Belgique, qui bien que ne comptant 60 000 licenciés et 80 parcours de golf, peut aujourd'hui être considérée comme une nation émergente du golf, grâce notamment à ses 3 importantes locomotives que sont Nicolas Colsart, Thomas Peters et Thomas Détry. Nico, c'était le premier. Après nous, ma génération, comme Thomas Peters, Thomas Détry. Et on a pas mal de joueurs Challenge Tour aussi maintenant. On s'est un peu quand même, on était assez motivés, mais on s'est un peu tiré là-dessus. En plus, comme on voit Thomas Peters qui joue vraiment superbe, avec la Ryder Cup et tout, il a déjà gagné 3 fois sur le circuit européen. Et Thomas Détry maintenant aussi, sa première année, il fait une très belle saison déjà. Alors ça nous donne un peu la motivation, un peu aussi. On a grandi avec eux. Alors si eux le peuvent faire, pourquoi pas moi? Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire, en schématisant un peu de manière cliché, est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement une tribu belge émergente dans le golf mondial, le golf européen? Ouais, je pense quand même, oui. Quand même, on est pas mal de gars qui ont beaucoup de potentiel, qui sont en train de donner tout pour voir où ils peuvent arriver. Et ouais, forcément, avec Thomas Peters et Thomas Détry, les deux jeunes qui sont en train de prouver qu'ils sont là avec les meilleurs mondiaux,
que nous, on se dit, bah, si elles peuvent faire, bah, on va quand même essayer de vraiment voir qu'est-ce que l'on peut faire et essayer d'aller chercher le potentiel que nous, on a et voir où est-ce qu'on tombe. Bonjour, Kevin. De cartes de moins 4, puis moins 5, on tente qu'installer Kevin Hébois à la 3e place ex aequo avec Thomas Boulanger. Classement dominé donc après deux tours par David Borda, l'Espagnol, et Fabien Marty, le Français. La bonne nouvelle de ce samedi matin, c'était le climat, le temps, une journée qui s'annonce immaculée, sans nuages et sans vent pour ce 3e tour. Et on retrouve tout de suite Thomas Boulanger, 2e coup sur le trou numéro 1, le par 5. C'est un petit peu égaré au drive. L'amateur français fait avancer cette balle au maximum. Il aura une approche en 3e coup. Depuis le petit rough. Et c'est très bien fait de la part de l'amateur Thomas Boulanger. Il aura un bon putt pour birdie. Gauche-droite a priori. Ça vient bien et ça démarre très bien pour Thomas Boulanger. Birdie au trou numéro 1. On positionne à moins 10. On retrouve un autre Français, Fabien Marty, lui aussi sur ce trou numéro 1. Il va essayer d'attaquer le green en 2 sur ce par 5. Ouais, ça va finir un tout petit peu à gauche de ce green. Petite approche en 3e coup pour Fabien Marty. Ouais, ça vient très bien, ça. Allez, encore un petit tour de roue. Ouais, ça va être un birdie pratiquement donné pour Fabien Marty. Voici ce putt, ce tap-in. Et ça démarre lui aussi par un birdie. Fabien Marty à moins 12, donc après le trou numéro 1. Incroyable début de parcours du Français Robin Roussel. Eagle, eagle, birdie, birdie, moins 6 après 4 trous pour Robin Roussel. On retrouve le trou numéro 2 par 4 avec cette approche de Thomas Boulanger. Ouais, il a failli faire eagle hein, puisqu'il a attaqué ce court par 4 de 316 mètres avec le driver. Et c'est donc un nouveau birdie pour Thomas Boulanger. Autour de Fabien Marty qui reste un wedge en main. Pour son 2e coup. Et c'est bien fait, et ça va être là encore une opportunité de birdie pour Fabien Marty. Et il le fait pour passer à moins 13, Fabien Marty. Un joueur qui effectue un bel aller, c'est l'Italien Michele Ortolani, moins 3 après 9 trous, et le meilleur reste à venir pour lui. On retrouve Thomas Boulanger sur le trou numéro 3, son 2e coup, sur ce par 4. Ouais, c'est très bien fait là encore. Il va rester un petit mètre pour birdie. Et enchaîner 3 birdies consécutifs. Sans problème pour le jeune amateur français. Très serein dans ce début de partie. Sur ce même trou numéro 3. La mise en jeu de Fabien Marty, un petit peu sur la droite. Il sera dans le rough, mais aura un tout petit coup pour attaquer le drapeau. Ouais, il a peut-être pris une branche au départ, là, Fabien Marty.
mais ça ne va pas le gêner puisqu'il vient déposer cette balle à 1m50 du trou. Et lui aussi peut enchaîner avec un birdie. Ah, et c'est fait pour Fabien Marty. Nouvelle opportunité pour Thomas Boulanger au trou numéro 4, un par 3. Pour enchaîner, quatrième birdie consécutif, il le fait. Magnifique pour Thomas Boulanger. 17 ans, on vous le rappelle seulement, pour un jeune amateur. De nouveaux points de gagné pour Robin Roussel. De son côté, il passe l'allée en moins 8. Exceptionnel, Robin Roussel. On retrouve le joueur belge Kevin Hébois à moins 9. Trou numéro 7, deuxième coup sur ce par 5 pour le Belge. Il va rester à court du green et avoir une petite approche pour son troisième coup. Il aura ce putt de 5 mètres pour le birdie, Kevin Hébois, et éventuellement passer à moins 10. Allez, c'est fait pour le Belge. Bien joué. Il se rapproche lui aussi de la tête. 63, c'est la carte de l'Italien Michele Ortolani dans ce troisième tour. Nouveau record de ce parcours de Saint-Malo, moins 9. Pour la journée, magnifique. Et on retrouve l'Espagnol Borda, deuxième coup du trou numéro 7 sur ce par 5. Et oui, il va aller trouver un bout de green. David Borda. Opportunité d'eagle pour l'Espagnol maintenant. Oui, ça va finir en dessous. On va essayer de terminer le travail. Néanmoins, l'Espagnol avec ce putt pour birdie. Voilà qui est fait. Il passe à moins 12, l'Espagnol. On n'en avait pas encore parlé, le Français Alexandre Dédou termine, lui, son aller en moins 3. Bien pour Alexandre qui veut se mêler à la lutte avec les leaders. De nouveau avec Borda pour le trou numéro 8. Court par 4 de 278 mètres et il va directement attaquer le green avec son driver, l'Espagnol, et c'est plutôt très bien fait. Ça a terminé dans ce pré-green. Il va pouvoir putter pour eagle. Ouais, là encore, ça va terminer juste en dessous du trou. Mais un birdie sans sourciller pour David Borda, qui passe à moins 13. Trou numéro 11, par 3 de 150 mètres avec le Belge Kevin Hébois. Ouais, magnifique, ça vient se poser à 3 mètres du trou. Peut en monter pour ce birdie peut-être, Kevin Hébois. Il le fait, bien joué. Le Belge passe à moins 11. On retrouve Robin Roussel au trou numéro 14. Peut en dehors du green pour le birdie, pour le Français. Oh, ça vient toucher le trou. Il avait bien attaqué hein, ce putt, Robin Roussel. Il lui reste un petit peu de travail pour sauver son par. Lui qui est à moins 17. Oh, il va perdre un coup. Il va perdre un point sur ce par 3.
et reglisser à moins 16. Alors après un début de partie en fanfare, Fabien Marty est un peu rentré dans le rang en perdant deux coups. Après 12 trous, il n'est plus que moins 1 pour la journée, moins 12 au total. On retrouve Robin Roussel sur le trou numéro 15. Ah ouais, il va profiter de ce parcours très sec là pour faire glisser cette balle jusqu'à hauteur de drapeau. C'est très bien fait. Même si ça file un tout petit peu là en dehors du green. Sous le regard de ses parents. Possibilité d'eagle avec ce putt sur ce par 5. Ouais, il va rester court hein, sur ce putt en montée. Il va lui rester un peu de travail pour le birdie. Ouais, il le fait. Et désormais à moins 17, Robin Roussel. Ça continue à bien se passer pour l'Espagnol David Borda. Après 14 trous, l'Espagnol est à moins 4 pour la journée. Moins 15 total, à deux coups du leader Robin Roussel. On le retrouve au trou numéro 18, Robin Roussel. Troisième coup sur ce par 5. Depuis le bunker. Il va rester court là aussi sur cette approche. Il aura néanmoins un putt rentrable pour le birdie. C'est attaqué, ouais, ça va filer à droite du trou. Et maintenant, il va falloir sauver le par. Et rester à moins 17 après ce troisième tour. Ah et non. Ouais, oui, forcément de la frustration là. Ça va être un 3 putt minimum. Il va redescendre un tout petit peu. Robin Roussel. Voilà, il finit néanmoins le travail. Il termine sur un bogey certainement un peu frustrant, mais il est leader pour le moment à moins 16. Fin de parcours également pour le français Alexandre Dédoux. Carte de moins 4 pour la journée. Au total, moins 13. Il est placé avant le dernier tour. On retrouve notre amateur Thomas Boulanger. Deuxième coup sur le trou numéro 18. Le dernier par 5. Pour Thomas Boulanger. Et ça va filer derrière le green. Pratiquement au niveau de la tente d'hospitalité là, pour Thomas Boulanger. Il est au 17 désormais avec Fabien Marty. Ah oui, magnifique approche sur ce par 4. Il aura une vraie chance de birdie. Et là, l'approche est compliquée hein, pour Thomas Boulanger. Troisième coup sur le 18. Ouais, c'est magnifiquement réalisé par Boulanger qui aura une vraie opportunité de birdie. Autre opportunité de birdie, celle de Fabien Marty au 17 pour passer à moins 13. Il le fait. Fabien Marty. De Thomas Boulanger d'essayer de conclure lui par un birdie au 18. Il le fait, moins 14 pour Thomas Boulanger. Lui aussi sera placé en vue du quatrième et dernier jour. On retrouve l'Espagnol David Borda, lui aussi deuxième coup du trou numéro 18. Aller chercher ce green en deux, légèrement peut-être sur la droite là. Ouais, il aura un très long putt pour eagle.
Autre approche pour Fabien Marty qui, lui, a décidé de jouer le green en trois coups. Voici son troisième coup sur ce 18. Ah oui, il est magnifiquement allé chercher le drapeau. Voilà, le long putt de David Borda, qui se contentera certainement d'un deux putt pour ce trou. C'est pas mal fait, il lui restera 2 mètres pour son birdie. Voilà, ça va filer sur la droite du trou. Il va terminer avec un par finalement, David Borda. Mais il va jouer en dernière partie probablement demain avec Robin Roussel autour de Fabien Marty d'essayer de concrétiser son birdie au 18. Il le fait, le français, pour terminer à moins 14 et lui aussi être placé avant le quatrième et dernier tour. Le par donc pour David Borda qui conclut donc ce troisième tour à moins 15. Il sera en dernière partie aux côtés de Robin Roussel, donc leader après 3 tours. Je suis toujours content de faire 64, mais avec le départ que j'avais pris, bon, on peut toujours espérer mieux. Bon, je passe carré moins 8, donc oui, forcément j'espère mieux. Je sais qu'il y a des birdies au retour, donc je finis mal, je finis par un 3 putt au 18, donc c'est toujours un peu décevant, mais je suis quand même super content. Je drive toujours aussi bien, je tape toujours aussi bien la balle. J'ai rentré quelques potes aujourd'hui, c'est pour ça que je joue un peu plus bas. Mais non, là, c'est sûr que je suis un peu déçu parce que je sais que ça joue très bien sur ce circuit et que quand on peut prendre 2 ou 3 points d'avance avant le dernier tour, faut pas hésiter. Donc non, ouais, mais sinon je suis quand même très très content. Le classement, donc après 3 tours, Robin Roussel en tête avec moins 16, David Borda moins 15, Thomas Boulanger, l'amateur, est à moins 14 aux côtés de Michele Ortolani et de Fabien Marty. Et c'est une scène qui illustre bien l'ambiance qui règne dans ce club de Saint-Malo. Le tournoi est terminé pour les jardiniers, la collation offerte par le directeur. Pour les joueurs, en revanche, il reste encore 18 trous et un quatrième tour à jouer pour tous ces hommes et une victoire à aller chercher. On retrouve Thomas Boulanger, trou numéro 3, par 4 de 328 mètres, court par 4, c'est sur la piste pour Thomas Boulanger qui est... On aura une petite approche à jouer en deuxième coup. C'est bien fait. Et maintenant, il faut conclure avec un birdie pour bien entamer cette dernière journée. Ouais, et la bonne vitesse pour concrétiser ce birdie pour Thomas Boulanger qui passe donc à moins 15. On retrouve Fabien Marty au trou numéro 7. C'est un putt pour eagle sur ce par 5 pour Fabien Marty. Ouais, ça va passer à droite. Ce sera néanmoins un birdie pour Marty. Ok, bon 4. Désormais à moins 15. Il se rapproche lui aussi de la tête. La tête occupée par cet homme à moins 16, Robin Roussel. Deuxième coup du trou numéro 5. Par 4 de 409 mètres. Et oui, il va rester en haut là. Complètement à droite et il va avoir une approche compliquée, Robin Roussel. Difficile d'arrêter cette balle de cette position. Ah oui, il a eu le kick dans la descente et il va finir complètement de l'autre côté du green
et même en sortir. Robin Roussel, un petit peu dans le dur là sur ce trou numéro 5. Déjà son quatrième coup sur ce par 4. Ouais, il va falloir sauver le bogey pour Roussel. Et non, ça va être un double bogey qui coûte très très cher aux Français, qui redescend donc à moins 14. On retrouve Thomas Boulanger, trou numéro 7 par 5. Une mise en jeu qui va éviter le bunker. Il a eu de la chance ici, Thomas Boulanger. Direction le par 3, le trou numéro 6, 182 mètres en descente pour Robin Roussel. Ouais, il va chercher et trouver un bout de green. Position de drapeau bien plus compliquée en ce quatrième jour. Thomas Boulanger, on le retrouve sur son deuxième coup du trou numéro 7 et il va attaquer le drapeau, bien sûr. Même si il va sortir du green, il va se laisser une approche. Robin Roussel pour birdie. Eh oui ! Voilà qui va effacer un petit peu le double bogey du trou précédent. On retrouve Thomas Boulanger pour son troisième coup du trou numéro 7. Pas facile cette approche non plus. Ouais, c'est bien exécuté. Merci. Dosage parfait et putt pour birdie. Passé à moins 16 pour l'amateur. Oui, bien joué. Voilà donc à moins 16, Thomas Boulanger. On retrouve Fabien Marty au trou numéro 12, deuxième coup de ce par 4. Ah oui, il a attaqué le drapeau et l'a trouvé, Fabien Marty, c'est bien joué. Il faut conclure maintenant avec le birdie. Lui aussi pour rejoindre moins 16. C'est bien fait de la part de Fabien Marty. À surveiller, un homme qui joue devant et qui réalise pour l'instant une belle journée. Après 14 trous ce dimanche, le Belge Kevin Hébois est à moins 3. Au total, moins 14 à surveiller. On va retrouver l'Espagnol David Borda, trou numéro 8, court par 4, attaque avec le driver. Eh oui, magnifique de la part de l'Espagnol qui vient se mettre à hauteur de drapeau sur ce court par 4. Et il va lui rester une chance d'eagle. La voici, cette opportunité d'eagle pour l'Espagnol, passé à moins 17. Il va rester en dessous, mais à s'offrir un birdie facile pour passer à moins 16. On va retrouver Robin Roussel maintenant, trou numéro 9, le par 4.
Ouais, il va rester bloqué dans ce petit collier autour du green. Ça reste un bon coup pour Robin Roussel. Autour de David Borda. Deuxième coup lui aussi sur ce trou numéro 9. Lui, il va trouver le green. Il aura une chance de birdie, même s'il est à 8 mètres. On a fait le choix de faire une approche au wedge pour Robin Roussel. Tenter peut-être de la rentrer pour un birdie. Ah oui, il le fait, le Français. Magnifique approche et birdie pour Robin Roussel qui revient à moins 16 et qui aura donc rattrapé ce double bogey de tout à l'heure grâce à deux birdies. David Borda peut lui passer à moins 17. Avec ce long putt qui vient bien lui aussi et qui va tomber. Magnifique pour David Borda. Moins 17 donc pour l'Espagnol. Petit point sur le classement. À mi-parcours pour les leaders. Borda moins 17. Marty Boulanger-Roussel à moins 16. Et on retrouve justement Fabien Marty au 14 pour birdie. C'est en montée. Ouais, il le fait pour rejoindre David Borda à moins 17. Birdie au 14 donc pour Fabien Marty. Retour au trou numéro 10 avec Robin Roussel, 352 mètres, driver en main. Plein fairway, il lui restera une toute petite canne dans les mains pour son deuxième coup. On est maintenant au trou numéro 11 par 3 avec Thomas Boulanger, l'autre Français en chasse derrière David Borda. Et magnifique coup de golf de la part de l'amateur français. On retourne au trou numéro 10 avec donc la petite approche, le petit coup de wedge pour Roussel. Il vient se mettre à hauteur de drapeau, c'est bien fait. Thomas Boulanger pour birdie après ce magnifique coup d'approche. Moins 17 désormais pour Thomas Boulanger. Un score que va essayer de rejoindre Robin Roussel sur le trou numéro 10. Ah oui, ça vient bien sur ce gauche-droite. Dans une bonne dynamique, Robin Roussel, lui aussi, est à moins 17. Belle émulation dans la partie 18 qui en termine. Carte de moins 4 pour Kevin Hébois. Au total, moins 15, ce sera une cinquième place pour le Belge. Même chose pour son partenaire, l'Anglais Ben Wheeler. Moins 4 pour la journée, moins 15 total. Et cinquième, ex aequo. On retrouve Robin Roussel, trou numéro 11. On a vu Thomas Boulanger faire birdie tout à l'heure. Ouais, il est bienvenu à s'appuyer là sur la droite de ce green pour se positionner à hauteur. Il faut maintenant conclure avec ce putt gauche-droite pour Robin Roussel. Ah oui, la bonne vitesse et le très bon putt pour passer à moins 18 Robin Roussel et prendre la tête du classement. Fabien Marty, trou numéro 15, le par 5. Ah oui, il reste un petit peu court, un coup qui ne le satisfait pas, Fabien Marty.
Direction le trou numéro 14 par 3, 278 mètres avec Thomas Boulanger. Ah oui, c'est très bien fait une nouvelle fois. Se positionner à hauteur, on retrouve Fabien Marty pour cette longue tentative de birdie au trou numéro 15. Ouais, il s'est un petit peu trompé de ligne là. Il est resté très court, Fabien Marty. Retour au 14 avec le putt pour birdie de Thomas Boulanger. Voilà qui est fait. Magnifique pour l'amateur français qui passe à moins 18, seul en tête. Pour le par, Fabien Marty, ne pas perdre de points sur ce par 5. Aïe, 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 ce sera un bogey. Et pratiquement deux coups de perdu sur le reste du champ de joueurs pour Fabien Marty, à qui il reste trois trous pour se refaire. L'Italien Michele Sea vient d'en terminer, lui aussi avec une carte de moins 4, lui aussi avec un total de moins 15, et lui aussi est cinquième ex aequo, l'Italien Michele Sea. On se retrouve au trou numéro 15, deuxième coup sur ce par 5 pour Thomas Boulanger. Ouais, ça va rester bloqué dans le rough là, à gauche de ce green, du trou numéro 15. Approche pas facile, instance pas idéale pour le jeune amateur français. Ouais, il s'en sort très bien et va se laisser un putt pour birdie. Thomas Boulanger. Et voilà qui passe à moins 19. Quelle gestion du parcours de la part de ce jeune joueur de 17 ans. On trouve l'Espagnol David Borda. Deuxième coup du 16. Par 4 de 400 mètres. Ah oui, celle-ci, il l'aimait bien depuis le début. Et le résultat est parfait. Ce sera une vraie opportunité de birdie pour l'Espagnol. Au 17, il doit batailler un petit peu. Thomas Boulanger n'a pas trouvé le green. Et il va lui rester 2 mètres pour le par. Retour au 16 avec Borda. Oui, celle-ci, il la voyait peut-être un petit peu plus à droite qu'il ne le voulait. Elle est rentrée quand même et David Borda, lui aussi, rejoint moins 18. C'est pour sauver le par. Ah, et ça va rester en dessous, malheureusement, pour le jeune amateur. Moins 18 désormais pour Thomas Boulanger. Un point sur le leaderboard avec trois hommes en tête. Un trou à jouer pour Thomas Boulanger. Deux pour Borda et Roussel. Tout le monde est à moins 18. Direction le trou numéro 17 avec le deuxième coup de David Borda. Ouais, c'est bien fait. Et ça va être une vraie opportunité de birdie pour David Borda. Ouais, la balle qui a un petit peu sauté, mais qui va quand même rentrer pour l'Espagnol, qui prend une vraie option. Là, moins 19, un trou à jouer. Un coup d'avance sur ses deux adversaires. Et direction le trou numéro 18, deuxième coup pour Robin Roussel, qui a sorti son bois de parcours pour attaquer ce green en deux. Il a l'air de bien l'aimer, celle-ci. À l'aveugle. Ouais, il va être en bord de green autour de Borda.
Deuxième coup sur ce par 5 pour l'Espagnol. Oula, c'est parti complètement à droite, ça. T'es à la limite de la socket, j'ai l'impression. Voilà, il est allé carrément taper dans les hospitalités, là. Et cette balle qui va continuer sa route très loin et il est hors limite. L'Espagnol, du coup, obligé de jouer son quatrième coup maintenant depuis le même endroit. Oh, attention, il y a un obstacle d'eau là. Oh là là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour l'Espagnol qui avait un coup d'avance avant ce dernier trou et qui là est en train de craquer et de laisser la place à Robin Roussel, l'approche du Français, qui va avoir une vraie chance de birdie là pour terminer seul à moins 19. S'il met ce putt, il remporte probablement le tournoi. Sinon, on se dirige vers un play-off avec Thomas Boulanger. Oh, ça va rester à gauche. Eh oui, et du coup, on a vu la réaction de Thomas Boulanger. Direction le play-off sur ce trou numéro 18. Entre Robin Roussel et Thomas Boulanger. Et David Borda va lui terminer à moins 16 avec un triple bogey donc au 18. Playoff chez les pros. Magique. Magique. Hein ? Oui. Bon, bah on te laisse. Hein ? T'as autre chose à faire là maintenant ? Oui. Allez. Allez, Tom. Ah oui, sympa cette image de Thomas Boulanger. Bravo à tous les deux en tout cas. Playoff. Premier tournoi où il joue la gagne chez les pros, lui l'amateur. Et ce sera donc face à Robin Roussel sur ce trou numéro 18. Et c'est Robin Roussel qui va effectuer sa mise en jeu en premier. Un petit peu à gauche celle-ci. Un petit peu inquiet, mais on a bien vu cette balle arriver. Objectif, trouver la piste pour Thomas Boulanger maintenant. Bien accéléré. À peu près le même coup que tout à l'heure, deuxième coup de ce trou numéro 18, premier trou de playoff pour Robin Roussel. Avec ce bois de parcours. Ah, dommage, il a failli trouver le green. Mais il aura un coup depuis le bunker autour de Thomas Boulanger. Parfaitement placé. Ah oui, magnifique. Il va aller, lui, trouver un bout de green, même s'il lui reste un très long putt. Petite option prise par l'amateur français. Et voilà le spot de Thomas Boulanger. La bonne vitesse. Ouais, il y avait une double pente. Et il va lui rester quand même un bon 6 mètres pour birdie. Ça reste un bon coup. Félicité par son adversaire dans ce play-off. Robin Roussel, bien placé dans le bunker. Peu trop fort, ça. À regretter un petit peu quand même cette sortie de bunker qui semblait relativement standard pour Robin Roussel. Mais voilà, c'est un play-off. Un peu plus d'adrénaline, un peu plus de jus dans cette balle. Et donc un putt pour birdie, un peu plus long qu'il ne l'aurait aimé. Ouais, non, ça ne va pas revenir. Ça va être un par pour Robin Roussel. Et donc peut-être un putt de la victoire pour Thomas Boulanger. À suivre.
Si ça rentre, c'est une victoire pour l'amateur. Ah, il le fait, magnifique. 17 ans seulement et première victoire pour Thomas Boulanger, l'amateur qui va remporter donc cet Open de Saint-Malo. Victoire sur l'Alps Tour donc pour Thomas Boulanger. Deuxième place pour Robin Roussel qui perd donc ce play-off mais qui va quand même prendre les points de la première place puisque lui est professionnel alors que Thomas Boulanger est amateur. Et on va donc jeter un coup d'œil à ce classement final avec donc la victoire de Thomas Boulanger devant Robin Roussel. Fabien Marty prend la troisième place, le français. David Borda, l'espagnol, qui aurait pu rêver mieux, mais qui a craqué au 18, termine à moins 16. Et on a donc trois hommes à moins 15. Quand vous êtes remonté au départ du 18, vous étiez comment ? J'étais normal. J'ai réussi à rester moi-même et puis... Sauf au putt au 18, j'avais un peu les mains qui tremblaient et puis j'ai quand même réussi à putter correctement. Une semaine extraordinaire. Extraordinaire parce que normalement mon but c'était juste de passer le cut et puis j'y gagne le tournoi, c'est incroyable. Incroyable cette victoire de Thomas Boulanger. Et au classement général de cette Alps Tour, Hugo Cousseau est en tête devant l'espagnol Adria Arnaud. Lars Van Meijel, le néerlandais, Robin Roussel et Jean-Baptiste Gonnet sont dans le top 5 qualificatif pour le Challenge Tour. Ah oui, belle émotion pour le jeune français Thomas Boulanger. On se retrouve très vite pour les images de l'Alps Tour sur les antennes de Golf Plus. Bye bye.